m'appelle Charlène, je suis assistante de direction au 108 à Orléans et j'ai une passion pour la musique bretonne. Je suis musicienne, je fais de la flûte traversière depuis petite, flûte classique et puis très rapidement je suis passée, j'ai eu envie de faire de la musique celtique, bretonne, irlandaise. Et puis en vacances à Lorient, au festival interceltique, je me suis rendu compte qu'il y avait une association des Bretons du Loiret à Orléans avec un baga, donc l'ensemble de musique traditionnelle breton. Donc j'ai été les rencontrer et ça fait maintenant 10 ans, presque 10 ans que je joue de la bombarde. J'ai appris la bombarde à Orléans. En parallèle, je fais toujours de la flûte traversière, mais irlandaise du coup, flûte traversière en bois. Et depuis, donc, depuis 10 ans, je joue donc dans le bagad en faisant des prestations sur Orléans et dans un autre groupe qui s'appelle Troumad, musique celtique, donc c'est vraiment bretonne, irlandaise, écossaise. Et puis, je vais régulièrement en Bretagne pour aller jouer dans des ensembles de bombarde ou dans des bagadines qui sont des bagades d'école. Donc, c'est quand même à quelques heures de route, la Bretagne. Donc, j'y vais pas tous les mois, mais j'y vais régulièrement dès que possible. J'y vais aussi pour écouter beaucoup de musique, pas seulement jouer, pour aller danser aussi. Pour la suite, donc, avec le groupe Troumad, on a enregistré un album donc, cette année. Donc on continue à jouer, à essayer de trouver des prestations pour faire vivre ce groupe et faire vivre cet album. Avec les ensembles de musique bretonne vraiment traditionnelle, on joue aussi dans la région. On essaye de former aussi, de continuer la formation pour des gens qui veulent apprendre la bombarde ou la cornemuse, vu qu'il y a très peu dans la région centre.